Depuis plus de 20 ans, près de 2 millions de dollars ont pu être remis à Mira grâce à la générosité de la population et des clients de Mondou. Mondou a également fourni 110 tonnes de nourriture à l'organisme, représentant plus de 500 000 repas. Mira ne fait pas que donner des chiens. Ils s'en occupent durant toute leur vie. Mira investit en moyenne 30 000 $ pour former un chien. Et ce n'est qu'au terme de 2 années d'entraînement rigoureux que Mira peut le donner à un non-voyant, à une personne à mobilité réduite ou à un enfant autiste. Nous trouvons que Mira est vraiment une très belle et admirable cause. Donc Createch et Mondou sommes très fiers de s'associer pour donner cette contribution à Mira pour qu'il puisse continuer à faire cette activité. Elle me rend moins stressée et anxieuse quand que j'en ai besoin, comme quand il y a beaucoup de monde dans mon entourage. Des fois, je me sens stressée ou nerveuse, ou quand dans mes présentations orales à l'école, ben, j'ai juste à la regarder ou la toucher, puis ça me calme. On a décidé de donner à Mira parce que c'est tellement une fondation extraordinaire. Ils font vraiment des changements dans des vies de familles, d'enfants, d'adultes. Donc, en partenariat avec Mondou, on est content de pouvoir contribuer à la campagne de financement puis pouvoir supporter l'initiative qu'on trouve vraiment formidable. Nana, c'est un chien de soutien émotionnel pour les enfants de la DPJ à Longueuil. Son travail, c'est d'accompagner les enfants dans toutes les situations anxiogènes qu'ils peuvent vivre. Aller au tribunal, des rencontres familiales difficiles, des rendez-vous médicaux, parce que Nana les apaise, les rassure. Donc, elle fait vraiment une différence. Les enfants l'adorent et se sentent tellement bien avec elle. Bien, c'est une cause qui nous tient à cœur comme organisation et pour nous, Nestlé Purina, c'est vraiment important de donner pour changer des vies. C'est vraiment ça. Je suis atteint de la cirrhose en plaques, ça fait déjà 22 ans. Alors, j'ai eu la chance il y a 2 ans là, d'avoir Stratus. Si les gens chez Mira, avec les commanditaires, les fournisseurs, c'est un travail fantastique. Puis c'est difficile à croire ce qu'ils sont capables d'accomplir avec les chiens. Chez Blue Buffalo, c'est très important la relation que les humains ont avec les chiens. Il n'y a pas de question à se poser quand Mira nous demande quelque chose. On ne peut pas dire non. Pastis est arrivé chez moi il y a 2 ans. Elle a baissé mon niveau d'anxiété. Donc, à chaque fois que je fais une crise d'anxiété, elle est là pour m'aider, pour changer les idées. On sait très bien qu'élever des chiens, en fin de compte, c'est très long. Ça prend des personnes qui les accueillent. Puis ça aussi, c'est super important. Il faut savoir donner pour recevoir d'une autre façon dans la vie. Nous, on est une famille d'accueil depuis 7 ans. C'est notre 6e petit chien que nous avons. On a une femelle reproductrice chez nous, Padou. Donc, on est chanceux. Dans notre cas, les bénéficiaires nous ont toujours donné des nouvelles, nous ont écrit, nous ont envoyé des photos. Et là, on voit ce qu'on fait, dans le sens qu'on voit la vie qu'on change. On sait que Mondou et Mira, c'est des partenaires de vraiment, vraiment longue date. Puis Vetdiet aussi, on est super fiers de nourrir tous les chiens Mira depuis, gratuitement depuis 2015, avec la nourriture Vetdiet. Puis on est là pour les supporter puis les aider autant qu'on le peut. C'est une fondation qui nous tient énormément à cœur. L'association entre Mira et Mondou, c'est quelque chose qui est plus fort que juste 2 marques qui ont décidé de profiter un de l'autre. Pour bon, de redonner à la société. C'est une association qui s'est passée pour les vraies raisons. Puis il y a surtout une chose que je ne veux pas oublier, c'est remercier les 700 employés de Mondou, les clients de Mondou, les personnes qui travaillent dans les 67 magasins à travers la province de Québec. Gros merci de l'implication, à mon nom, mais surtout au nom de toute la clientèle de Mira puis de tout le personnel de Mira, les familles d'accueil. Sans vous autres, tout ça, ça ne marcherait pas aussi bien. Fait qu'on continue et on ne lâche pas. Puis cette journée-là, pour nous autres, c'est vital. Puis on ne voudra jamais que ça arrête. Voilà. Ensemble, bâtissons l'avenir, un chien à la fois.